Hey, salut les guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. J'avais pas prévu de vous faire une vidéo cette semaine, j'avais rien de particulier. Je suis parti lundi pour un petit voyage à Toronto, quelques livraisons. Je suis rentré mercredi au terminal. Mercredi soir, je suis reparti pour un petit voyage dans le nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les États du Vermont, New Hampshire, Maine, quelques autres États aussi. Et j'ai livré hier matin dans le Maine, j'ai rechargé hier soir dans le Maine. Et c'était vraiment la pointe nord-est des États-Unis, au bord de l'océan Atlantique, juste à la frontière avec le Nouveau-Brunswick au Canada. C'était sympa, j'étais jamais allé là-bas, mais j'ai bien aimé, ouais, au bord de l'océan comme ça. Il y avait quelques montagnes aussi, la route était sympa, c'était agréable. Et là, bah, je suis sur la route du retour. Il me reste comme 3 ou 4 heures jusqu'à Montréal. Et bah, je vais vous filmer un peu ça. J'ai dormi à Gorham. Gorham. Je sais pas comment ça se prononce. À ne pas confondre avec Gotham, n'est-ce pas? Les fans de Batman. Et il a pas mal neigé cette nuit. Là, les déneigeuses viennent de passer. Ils ont sablé aussi. Je pense que la route, ça doit aller, mais le paysage va être pas mal, je pense. Donc je vais vous montrer ça. Le ciel va être un petit peu gris, peut-être, mais bon, on va voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de neige. Bon, c'était pas la tempête du siècle, hein, mais bon, un peu de neige quand même. Donc bien sûr, avant de partir, on va déneiger comme il se doit. Et puis après, je vais vous remettre sur ma tête ou bien sur le pare-brise, et puis on va prendre la route. Allez, go les guys! Oh, le camion est bien dégueulasse. Bon, il n'y a pas beaucoup de neige, hein, c'est pas grand-chose. Belle petite stalactite. En même temps, on en profite. Checker l'huile. On est bon. Ah, tout est bon. Voilà, on est bon. Allez. Chauffe, Marcel. Sais pas si vous le voyez là-bas, le camion Coca-Cola. Merci. En même temps, s'il veut rentrer dans le truck stop, il n'y a pas trop de choix. Au feu de circulation, tournez à gauche. Donc là, je rappelle, nous sommes à Gorham, Gorham, dans le New Hampshire. C'est l'extrémité est du New Hampshire. Là, on voit pas bien aujourd'hui avec les nuages, mais je pense que là il y a des montagnes pas trop hautes normalement. Bah, pas mal hautes, pardon. Je sais qu'ici il y a le mont Washington qui est à 1800 mètres. Bon, on s'entend, hein, comparé aux Alpes, c'est rien du tout, mais pour le nord-est des États-Unis, c'est pas mal.
j'adore ça, les petits villages comme ça, les petites villes typiques américaines, avec les maisons comme ça, là, j'adore ça. Ouais. Avec la neige en plus. Je vais mettre le siège chauffant sous mon cul parce que c'est un peu froid. Vu, mais c'est les nouveaux Peterbilt. Nouveau parce que si vous revenez en arrière, vous allez voir les phares. Il y a un genre de signature lumineuse là, des barres, pas des traits. Et ça, c'est ouais, c'est le dernier restylage du Peterbilt 579. C'est le même que j'avais avant dans la première compagnie là, comme quand j'allais dans l'Ouest. Mais moi, j'avais l'ancienne version 2019. Là, lui il est en 2022 je pense, et dedans moi j'ai jamais vu encore en vrai à l'intérieur, mais ils ont plus de compteur comme ça analogique, c'est un écran LED complet, on place les infos un peu comme on veut et tout. En vidéo, en photo, ça a l'air hyper beau, hyper bien fait. Bon, ça doit exister en France depuis un moment hein, je pense, sur les Volvo, les Mercedes, même peut-être les Renault Trucks, je sais pas trop. Je rappelle, moi j'ai pas été routier en France, hein. J'ai commencé ici. Un parcours un peu atypique. J'ai un peu lourd, hein. Je suis chargé de gros rouleaux de papier encore. Ils font la hauteur de la remorque. Et je suis rempli jusqu'au bout, donc je sais plus exactement combien j'ai en livres, mais j'ai lourd. J'ai lourd. Alors, ça se voit, hein, regardez. Je suis dans une cote à 40 là. S'il y en a qui se demandent, quand j'étais en formation ici au CFTR, là, que j'ai passé mon permis poids lourd, le classe 1, avec toute la formation, le DEP comme on appelle ici, le diplôme de transport par camion, j'ai appris à conduire sur une boîte manuelle. Eaton Fuller 18 vitesses, avec des paliers, des demi-vitesses, etc. Bah, comme ce que conduit Seb Parabraze. On m'a pas mal parlé de lui d'ailleurs en commentaire, on m'a demandé plusieurs fois si je le connaissais. Bien sûr que je le connais. Bah pas personnellement, je l'ai pas encore vu ici, on a failli se croiser une fois. Regardez qui est dans mon rétroviseur, il sait même pas que c'est moi. Incroyable. Je vais le laisser doubler, il sait pas que c'est moi. Transport des skidou. Salut monsieur. On est en contact, hein. J'ai son numéro de téléphone, on se parle aussi sur Instagram. Mais ouais bien sûr, bah moi c'est en immense partie grâce à ces vidéos, ou à cause de ces vidéos, Seb c'est de ta faute, que je suis ici et que je réalise ce rêve, hein. Vraiment c'est en grande partie ces vidéos qui... Et puis ça, son panache, sa pêche légendaire qui m'ont donné envie de venir ici. Ouais, ouais. Quand j'ai vu les paysages de l'Ouest américain, les gros trucks américains chromés, etc. Et puis moi j'étais déjà venu aussi aux États-Unis 4 ou 5 fois en voyage depuis 2015. Là, je voyage pas mal, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis avec des amis. Salut les gars, si vous me regardez. Et ouais, non, moi c'est...
c'est un rêve depuis longtemps. Et puis les vidéos de Seb, ça m'a vraiment confirmé ça et motivé. Beaucoup de transport de bois dans le coin ici là, Vermont, New Hampshire et tout. Ouais, Crumier. Ah, c'est dommage qu'on voit pas les montagnes sur les côtés. Ça va être super joli. C'est la première fois que je passe ici, mais ça se voit là quand on regarde sur Google Maps, qu'on se met en relief. Là, tout autour, là, il y a pas mal de montagnes. Bah d'ailleurs, regardez, c'est pas pour rien que je me suis retrouvé à 40 km/h il y a 2 minutes. Ouais. Et une prochaine fois, on verra bien ça dans le jour. Là, on a l'occasion de voir ça un peu avec la neige. Et aussi les guys, je vous ferai bientôt une vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire en dessous des premières vidéos. Et aussi en commentaire sur Instagram ou en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a quelques questions intéressantes sur mon parcours. Depuis combien de temps je suis ici? Est-ce que j'ai fait une formation? Est-ce que je gagne bien ma vie? Plein de questions intéressantes comme ça. Donc j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis d'ici là, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je vais les noter et puis répondre à ça dans une vidéo très prochainement, là, dans les jours, semaines à venir. Là, pour info, on est sur la route US 2 qui traverse le Maine, New Hampshire, Vermont. Ça va peut-être jusque l'État de New York. Je sais pas jusqu'où ça va à l'ouest, mais je sais que ça, c'est une route, ouais, qui fait est-ouest ou ouest-est. Petite route, comme vous le voyez. Moi, j'adore ça, les routes, les petites routes comme ça, qui traversent les petits villages, pas mal de forêts, quelques montagnes. Et puis, ouais, je trouve ça super beau, surtout dans des conditions hivernales comme ça. Ouais, j'ai du plaisir là, vraiment, je kiffe. Beaucoup plus de plaisir que, que d'aller livrer autour de Toronto, par exemple, ou autour des grandes villes comme ça. C'est un autre délire, hein. Ça plaît à un certain et parfois ça me plaît aussi quand on voit les grands buildings au loin, la skyline comme on appelle ça. Mais ça là vraiment j'adore ça. Et vous le voyez, c'est quand même assez bien déneigé, hein. Ça fait pas peur, ça roule bien. Là normalement apparemment il y a une vue panoramique, il y avait un point juste pour s'arrêter pour voir le point de vue là. Mais bah, on voit rien aujourd'hui avec les nuages. Il est plus léger que moi, lui. Chauffe, Marcel, chauffe. Ah, j'adore les maisons comme ça. C'est magnifique. Beaucoup de pick-up ici, hein. Ouais, normal. Désolé si je parle pas toujours, mais je profite aussi du paysage, tout comme vous. Là, j'adore ça. Cet environnement là, c'est... J'adore, vraiment. Là, on est aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, mais... Moi, c'est en grande partie pour ça que je suis venu au Canada, là, cette ambiance... Panneau d'arrêt, tournez à gauche.
Ça vous dirait pas, vous, d'habiter dans une petite maison comme ça, là? Moi, j'aimerais beaucoup. Une petite maison au bord de la forêt, avec une petite motoneige devant. Un pick-up. Je vais pas dire un petit pick-up, parce que les pick-ups sont énormes. Mais ouais, la belle vie, quoi. Avec un petit lac pas loin, des montagnes. Ouais, moi, je... J'aimerais vraiment beaucoup ça. Bon, j'ai déjà la chance de vivre en ce moment au Québec dans un coin très joli, près du Mont Saint-Hilaire, si certains connaissent. J'ai un petit appart en sous-sol, en demi-sous-sol d'une maison. Et c'est un coin que j'adore. Près de chez moi, il y a une belle petite montagne. Il y a le Richelieu, c'est une belle rivière, une belle grosse rivière. Et puis, ouais, il y a beaucoup de belles choses près de chez moi là. C'est ma ville, c'est Otterburn Park, à côté de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire. Si vous voulez regarder. Un jour je vous montrerai tout ça, j'essaierai de faire une grosse vidéo d'une semaine complète ou bien un voyage complet quoi, de la préparation juste avant le départ, comment je prépare mon sac, quelles affaires je prends, parfois je me cuisine aussi quelques gamelles, je vais vous montrer un peu ce que je cuisine, ce que j'aime bien manger, je vous montrerai un petit peu mon appartement, ma voiture, la route jusqu'au travail, jusqu'au terminal. Et puis bah le voyage, ouais j'essaierai de, ça sera une grosse vidéo, ça sera beaucoup de montage, beaucoup de travail, mais j'essaierai de vous faire ça un jour, pas maintenant là, mais un jour ouais j'aimerais faire ça vraiment, montrer en fait, faire une belle vidéo, la semaine type d'un camionneur, bah, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique, on a le même travail, hein, mais là pour le coup ça sera... un routier, un camionneur français, la semaine d'un routier, d'un camionneur français en Amérique du Nord. Voilà, ça sera ça le titre de la vidéo. Ça va être cool. Et ça va être très intéressant, je pense. On va regarder ça. Moi, j'adore. Mais moi, je parfois, je m'extasie de pas grand-chose. Ben, c'est bien pour moi, hein, tant mieux. Mais j'adore ça, cette ambiance là. Bah c'est ce qu'on n'a pas en France, hein, à moins de rouler dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou bien peut-être dans les Vosges. Dites-le moi, hein, ceux qui sont routiers en France là, qui roulent un peu dans l'Est comme ça, est-ce que c'est quand même assez fréquent les routes comme ça Bah, les petites routes comme ça, ou est-ce que vous êtes vraiment cantonné aux autoroutes expliquez-moi un peu en commentaire comment ça se passe les routes en hiver comme ça. Oula les gars, là ça commence à ça glisse là. Je pense devant il est... Ouais, il est en train de patiner. Il est en train de patiner devant. Ah, il est à vide lui. Ouais, il est à vide. Joli par ici.
Là, vous voyez, j'ai posé mon téléphone sur le tableau de bord, il est en train de filmer. Ça m'arrive de faire ça de temps en temps. Comme ça, je mets des petites vidéos en story sur Instagram de temps en temps. Donc si ça vous intéresse de voir des choses en temps réel, entre guillemets, pendant mes voyages, et ben, je vous remets mon Instagram comme je vous mets d'habitude en bas de la vidéo là. Vous pouvez venir me follow et puis regarder mes stories de temps en temps, il y a des choses intéressantes. Super mignon hein, les petits villages comme ça. Je me répète mais c'est tellement beau, j'adore ça. Tellement paisible. Je deviens poète à mes heures perdues. Ouais. C'est quoi ça? Country Club. Nice. Ouais, on est vendredi et puis je vais rentrer chez moi dans un petit 4 heures. Donc vers 18h, 15, 16, 10, oui, 18h. Et puis bah voilà, je vais passer un bon week-end à la maison. Je sais pas ce que je vais faire encore, j'aimerais bien aller faire du patin. J'aimerais bien aller patiner ce week-end. Et puis repartir lundi. Lundi pour la Caroline du Nord. Je pourrais prendre mon temps parce que je dois livrer que mercredi matin en Caroline du Nord. Et puis il y a 14-15 heures de route. 15 heures de route, ouais. Donc après c'est moi qui fais la route à ma sauce. Hein. Je calcule comme je veux. Si j'ai envie de faire 7h lundi, 8h mardi, et ben je fais comme ça. Si j'ai envie de faire 10h lundi et puis 5h mardi, c'est moi qui vois. Je verrai, je sais pas à quelle heure je vais partir lundi, mais à la cool, j'aime ça. Être prévenu la semaine d'avant, c'est toujours comme ça, on est toujours prévenu là où je travaille là maintenant. On est toujours prévenu la semaine d'avant pour le prochain voyage. Et puis j'aime ça, pouvoir prévoir le voyage, notre départ comme on l'entend. Et ouais, c'est très flexible, bien agréable. Et puis bientôt, promis, on partira dans l'ouest là bientôt. Parce qu'en gros, c'est nous chaque semaine qui demandons. Oh, il y a un drapeau. Oh non, vous avez pas vu, il est trop tard. Il y avait un drapeau Trump. C'est nous chaque semaine, avant chaque voyage, qui déclarons nos destinations, qui demandons plusieurs étapes, plusieurs destinations où on aimerait bien aller. Et je sais pas si je suis en train de bien m'expliquer, de bien m'exprimer là. Mais ouais, c'est ça. C'est nous qui choisissons les destinations du prochain voyage. On propose plusieurs états au dispatch et après lui il voit ce qu'il peut nous accorder. Ah, il y a sûrement un lac là en dessous de ça. Et c'est ça pour la semaine prochaine. C'est moi qui avais demandé. Oula. J'espère que je vais pas me retrouver bloqué dans la côte. Donc, je pense que ça va aller. Ouah, je vais pas avancer là. Oh là là. Bon, on va prendre notre temps. Hein. Donc je disais, c'est moi qui avais demandé pour la semaine prochaine, c'est moi qui avais demandé Virginie Occidentale, Caroline du Nord, Tennessee, Géorgie aussi, Caroline du Sud. J'avais demandé ce coin-là, là, le centre-sud de l'Est des États-Unis. Et j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu Caroline du Nord. Donc très bien.
Et puis ouais, bientôt je donnerai genre 10 ou 15 jours de disponibilité et puis je demanderai à partir dans l'ouest là, Utah, Arizona, Nevada, Californie, ou peut-être avant ça, peut-être un petit Texas avant ça, je sais pas. Je sais pas, je vais voir en fonction de mon emploi du temps, de ce que j'ai envie de faire le week-end, etc. chez moi, ou je vais voir, je vais réfléchir. Mais vous inquiétez pas, bientôt on va y aller là. Les grands espaces. Prenez la bretelle à droite vers les 93 nord en direction de Littleton. Continuez sur les 93. Ça, amigo. Là, on voit un peu mieux les montagnes. C'est pas très haut, hein, on s'entend, mais c'est déjà joli à voir. C'est des petits monts. Je pense que c'était plus haut dans le coin où je suis parti tout à l'heure, là, quand j'étais au truck stop. On voyait pas, il y avait les nuages. Mais je pense que c'était plus haut là-bas. Thank you.
allez bien? Bonjour. Ouais, je suis allé livrer dans le main et j'ai rechargé dans le main. Des gros rouleaux de papier. Je peux vous poser une question rapidement. Il faut, à partir du 15 janvier, il faut 2 doses pour revenir, c'est ça? Ouais, j'ai 2 doses, ouais. Ok, moi j'ai les 2 doses, mais la question c'est est-ce qu'on justifie grâce à ArriveCan ou l'application Ok. Donc j'ai rien à faire là normalement. Ok. Et ça reste toujours actif. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Guys, je viens de passer la frontière, on est de retour au Canada, au Québec. Je sais pas si vous avez bien entendu la conversation, mais la douanière était vraiment très gentille. Ça fait plaisir. Bah souvent les douaniers canadiens sont assez sympas. Bien plus sympas que les douaniers américains dans l'ensemble. Même si vous avez vu dans la vidéo précédente sur Chicago, si vous avez regardé, les douaniers étaient bien gentils aussi. Et ça arrive parfois que les Américains soient un peu tendus, mais on reste calme, on répond gentiment et tout se passe bien. Mais là, ouais, vraiment, la demoiselle ou la dame, elle était jeune, vraiment super gentille. Et puis en plus, je vais poser une question, vous avez entendu, sur les vaccins. Parce qu'en fait, on a une application qui s'appelle ArriveCan. Et on nous a demandé de remplir ça il y a quelques semaines. À la base, c'était nécessaire que pour les voyageurs, les touristes. Mais là, ils ont demandé aux camionneurs il y a quelques semaines de remplir l'application avec des informations sur notre travail, sur notre entreprise, sur... est-ce qu'on a déjà eu le Covid, est-ce qu'on est vacciné. Et en fait, ils nous ont demandé de faire ça à l'avance parce que là, à partir du 15 janvier, c'est 2 doses de vaccin obligatoires, même pour les camionneurs. Avant, c'était que pour les touristes. Même pour les camionneurs, on n'est plus exempté. Là, c'est 2 doses de vaccin obligatoires pour passer la frontière. Donc voilà, ils vont vérifier ça. Moi, je suis en ordre depuis quelques semaines. Bah, je suis vacciné, double vacciné depuis l'été dernier. Mais je veux dire, l'application, je l'ai remplie depuis quelques semaines. Donc c'est tout bon pour moi. Et ça, au Canada comme en France, hein, chacun ses raisons, moi je juge pas. Mais il y a quelques réfractaires au vaccin encore, y compris dans le monde du transport. Donc ça va peut-être entraîner une petite pénurie de chauffeurs transfrontaliers. Déjà que le Canada manque cruellement de chauffeurs, aussi bien pour le Canada que pour les États-Unis. Bah là, ça va accentuer encore un peu plus la chose. Ils estiment à entre 10 et 15% de voyages transfrontaliers en moins à partir du 15 janvier. Moi, je pense que ça serait un peu moins que ça. Mais ouais, forcément, ça va avoir un impact.
peut-être même qu'ils feront marche arrière hein, s'ils se rendent compte que économiquement l'impact est trop important. Peut-être qu'ils vont revoir leur décision. Après, je pense que c'est une entente avec les États-Unis. Mais en tout cas, on va voir comment ça se passe. Mais je pense qu'à partir du 15 janvier, là, il va y avoir des discussions. Je pense que ceux qui sont vaccinés vont avoir plus de travail. Je sais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais wait and see, comme on dit. Ils en ont ras le bol. Et c'est à Ottawa qu'ils ont choisi de déverser toute leur frustration. Bah, la vidéo n'est pas encore finie les guys, il me reste que 50 minutes de route, mais j'avais bien envie de m'arrêter manger un petit morceau. J'ai pas mangé ce midi et le long de l'autoroute là j'ai vu qu'il y avait un des fast-food que j'aime bien. C'est ça, AEW, je sais pas si vous allez bien voir. Mais ouais, je vais vous montrer ça, je vais aller le chercher là. Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous laisse aussi admirer l'état du truck. Surtout la remorque en fait. Ah, même là. Ça va faire. La remorque elle a pris cher. Il doit être bien lui. Je sais pas si vous allez voir mais il a une grande télé. Ouais. À l'aise. Bon bah voilà comment ça se présente. Alors moi j'ai pris mon menu avec des onion rings, mais on peut l'avoir avec des frites bien sûr. Ça c'est le Double Thin Burger. Le grand classique de la marque c'est le Thin Burger. Donc c'est le même burger mais avec un steak seulement. Donc ici vous avez deux steaks, salade, tomate, bacon, cheddar, oignon cru. Et moi ce que j'aime particulièrement chez eux, chez AEW, faudra m'envoyer de l'argent hein, les gars s'il vous plaît, c'est la qualité de la viande, c'est délicieux, les steaks sont vraiment très très bons. Et ouais, je vais me régaler. Là je l'ai pris en double parce que je sais que je rentre dans environ une heure chez moi, donc je vais pas m'endormir au volant, ça risque rien. Et puis bah avec ça j'ai quelques mayonnaise et ketchup. Donc voilà les gars, un menu assez classique chez AEW. Souhaitez-moi bon appétit. A few moments later. À l'écoute, retour avec van 93-83 chargé.
s'attarder à faire une manœuvre compliquée quand on peut faire tout simple, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, si c'est pas encore fait bien sûr. Mettre aussi un petit pouce bleu, ça serait cool. Activer la cloche des notifications et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau voyage les guys. Peace.